Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2, chers amis. Donc, nous sommes à côté d'un headquarter, je m'en rappelle maintenant à peu près où est-ce que j'en suis. C'est une mission principale? Non. C'est marrant, j'ai l'impression de ne pas avoir grand chose en termes de mission. Ici, on va regarder simplement dans le téléphone, à chaque fois je me plante. Chaque fois je me plante. Dead Sec. C'est ici. Opération secondaire, 911$. Effectivement. Ah oui, c'est la police qui était. Ouais, peut-être envie de faire ça. Prédiction des crimes de Bloom. Ça peut être intéressant. Ça va être les missions. On va appeler ça les missions. D'accord. Les missions. Pourquoi j'ai des lags? Là, autre chose. On peut pas passer par là. Pourtant, c'est juste là. Hein. Ah bah. T'en vois. Ok. Tu permets, j'envoie juste mon quadricoptère. Hop. Bah. Terminal par feu. Et forcément, ce terminal doit être utilisé via des. Oh la gueule. Ok. Je crois que je suis en train de comprendre. Donc on va se mettre là. Salut. Ça m'a l'air intéressant, ça. Merci. On va aller faire le tour rapidement. Crac. Allez, saute. Hop. J'ai l'impression que le boost a été... grandement réduit. Ce qui, je l'admets, me fait à moitié chier. Où est l'argent? Où est l'argent? L'argent est caché là-dessous. Wow. D'accord. Semblerait que je sois pas tout seul. Bon, c'est pas bien grave, hein, t'inquiète, hein, c'est juste une machine qui fait son boulot. Mais alors, tu veux pas. Allez! Mais, hé! T'es qu'une palette, hein! Voilà, tu fais pas le poids normalement. Hein. Merde! J'aurais dû m'en douter. Ce n'est que moi. Ne vous inquiétez pas. Bon, je suis désolé, le chien. Désolé. Désolé. Ok. Mauvaise nouvelle, DeadSec s'est introduit dans notre système. On va devoir tout déconnecter. Déconnecter tout, y'a pas de souci. Allez, on va renvoyer le bot. On va aller récupérer l'argent. Allez, le bot. C'est bon. Et non, j'y retourne. N'importe quoi. Ok, on est reparti. Cassez-vous de mon chemin. Cassez-vous de mon chemin. Salut le chien. Oh putain. Oh putain. Oh, un husky! Tu veux jouer? Tu veux jouer? Tu veux jouer? Il veut jouer! Si ça, c'est pas mignon! Bon, je veux pas dire, j'ai quand même tué deux personnes avec un transpalette. Hop! T'as reçu un coup de téléphone, Gaston. Donc. Téléphone. Est-ce que je passe?
je passe. Parce que je suis un boss. Like boss. Bon, c'est bon. Ok. Yo. Vas-y, déverrouille-moi ça. C'est bon. Ok. J'étais censé faire une mission, mais c'est pas grave, Marcus. C'est pas grave. On t'en veut, c'est tout. Papa? Papa, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ok. Papa! Ça me rappelle un animé où je sais plus c'est quoi. Il y a le mec qui parlait comme ça à son père. Papa! Je crois que c'était un animé en plus Cure Cure Love. Genre, les plus Cure Cure Love que j'ai moi, c'est. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Machin Noemitsu là. Ah, il est plus boosté en l'air, c'est vrai, faut que j'y pense à ça. Bon. Pourquoi avoir envie d'aller par là? Oh bah, de toute façon, lui il va partout, hein, y a pas de souci. Hop là, je vais chez les autres, moi je me balade dans toute la ville comme ça. Bon, on y va. Parce que c'est pas que je me fais chier, mais... Vous par contre, c'est possible. Donc, la mission. C'est quoi ça? Non, opération principale. Josh ou Hackerspace, c'est où? Quel Hackerspace? Ici, d'accord. Celui-ci. Trajet rapide ou Hackerspace? C'est parti, allons-y chers amis. Parce que là je fais des conneries. Et du coup on n'en profite pas. Parce que c'est vrai que là on commence à arriver à beaucoup de vidéos. Et je me dis que si je veux arriver à la fin du jeu, il va peut-être falloir que je me focalise un peu plus sur sur le jeu. Josh, Josh où t'es? Où t'es Josh? Josh, 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 Josh. Je vous rappelle qu'on en a perdu un il y a pas longtemps malheureusement. Horatio, j'ai failli oublier son nom. Je l'admets. Ok, qu'est-ce qui se passe Josh avec le 911? Dis-moi tout. De l'algorithme de prédiction des crimes de Bloom pour voir où ils en sont après leur échec avec WKZ. D'accord. La carte montre comment ils identifient chaque zone comme peu risquée, très risquée ou autorisée. N'entends rien. Donc ces zones d'Oakland. Très risquées. Le territoire des gangs, c'est logique. Mais celle-là. Ça, mon pote, c'est le City West et son maquillage. Fils de pute. Prennent pour cible les écoles, les magasins et les hôpitaux et ils tirent à vue. D'accord. Ça, c'est des logements sociaux. Tous ces gens, ils ont quitté San Francisco à cause des loyers. Ils sont obligés d'habiter là. Ça va, garde ta colère, Marcus. Elle te non. Quand on attaquera Blockhead, je vais. D'accord. T'as raison. Ça montre. Ok, pourquoi pas. Système à son plus haut niveau. T'as encore assuré, Josh. Il a rien. Mais. Aidé à contourner le firewall, j'arrivais pas à accéder. Dis pas de bêtises, gamin. C'est du bon boulot. Il est sympa, Ray. J'espère que c'est pas une pute, hein. T'es en colère, je le sais. Mais on est tous en colère. Il y a une partie de mon putain de code dans ce monstre. Mais si le CTOS pousse les flics à s'attendre à une fusillade, dis-toi bien qu'ils vont se tenir prêts. Eh ben on va leur donner. Te fais pas descendre. Ouais, j'avais compris. Merci, papa-maman. C'est parti. Ok, bon. Ça va chier? Soyons honnêtes. Hop. Travailleur social à Oakland. Pourquoi pas. Allez, vas-y, on attend. J'ai besoin d'infos. Y'a moyen qu'on se voit? Pas de soucis, mais va falloir que tu viennes ici. J'ai un rendez-vous que je peux pas rater. Ici, d'accord. Exactement. Ok, on se voit plus tard. Pas de soucis, on y va. On est parti, chers amis. Oups, désolé. Désolé. Hop. C'est à quelle distance exactement? Je n'en sais foutre couille rien. Ah. Voilà quelque chose d'intéressant. J'aurais bien aimé qu'ils me disent bah, va là Marcus, c'est parfait. Tu veux bien me montrer l'objectif? Putain, mais c'est casse-couille! Ça y est! Putain, il était temps! Hop! Pas avoir de téléphone au volant, c'est pas une excuse, hein, c'est. Bon, 3 km.
On va peut-être pas les faire comme ça, hein. On se téléporte. C'est quoi ce délire? C'est un territoire de gang, ça? Haddock bosse avec eux maintenant? Non, Haddock ferait pas ça. Hein? Comment tu le sais? Parce que l'inverse n'aurait aucun sens, c'est impossible. Point final. C'est peut-être plus compliqué que ça. Hein? Qu'est-ce que tu me causes? Je vois pas de quoi il me parle, mais ça m'inquiète. Ok, c'est pas grave. Donc j'ai enlevé le logo, hein, chers amis, en bas à droite pour que vous puissiez voir les botnets. Y'a pas de soucis. Crac. Bon, le prochain, on le prend. Soyons fous. Si j'arrive à le discerner. Ce qui est fou, c'est que cette vitesse-là, le chargement, tout ça, j'ai aucun problème. Mais des fois, rien qu'à me mettre à courir, ça pose un problème au jeu. C'est vive l'optimisation, quoi. C'est magique, hein. Ok. Heureusement que je dis que le prochain, je le saute, hein, parce que j'en vois plus. Parce que si c'est le cas, moi, j'arrête, hein. Je sais pas. Là-bas, c'est un machin qu'il faut monter. Enfin, qu'il y a un truc publicitaire. Donc non, j'en trouve pas. Bon, bah voilà autre chose. Hop, c'est par là. Ah, j'ai freiné avec le frein et tout, hein. Même j'ai limite posé les pieds au sol, hein. C'est... Ah, oh, c'est encore là. Aïe. En vrai, je suis mort. Bah, voyez, le seul que j'ai retrouvé, il m'est arrivé pleine face. Oh, stop! Un problème. Ça se bouscule dans ton slip. Connard. C'est pas grave. Bonjour, madame. Yo, c'est bon si on parle ici? On risque autant. C'est quoi ce décolleté? Par contre, tu devrais pas rester à Auckland trop longtemps. Pas avec ton dossier. Tu veux parler des mensonges qu'ils ont sur moi ou de ce que j'ai vraiment fait? Tu sais déjà quel est le problème. Le problème, c'est qui dérange et qui ne dérange pas. D'accord. La hausse des prix de l'immobilier et son impact sur les gens qui ont fait de cette ville un endroit agréable à vivre. Mais surtout, le problème, c'est la communauté. J'entends de moins en moins ce mot dernièrement. Ouais, je comprends. On va arranger ça. Je dois y aller. Qu'est-ce qu'il a autour du cou? Ah, c'est ses écouteurs. C'est ses écouteurs. D'accord. J'essaie de comprendre ce que c'était, mais... Ok. Oh, bah c'est juste à côté, comme on dit. Et donc, il y a des gens. Parce que s'il y a personne, limite... Josh, j'y suis. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Bah, un serveur CityOS classique, sans doute collé sur un côté de la baraque comme un genre de parasite. Charmant. Ok, bon bah on y va, hein. On va pas se faire chier, hein. C'est... Enfin, je comprends pas où est l'intérêt de la... J'ai oublié ça. Ok. Crac. Boum, et puis on est bon. Hello. Puis-je m'insérer en toi? Voilà, attention, je m'insère, je me suis inséré, c'est bon. Allons-y. Où était la difficulté? Nulle part. Okay. Je suis en train de scanner les données. Apparemment, les 580 laissent un véhicule quelque part et la police vient le récupérer. C'est une voiture différente à chaque fois. Attends, les flics s'amuseraient à faire du trafic sous le nez du CityOS? Ils apparaissent comme agents infiltrés, intraçables. Ce qui veut dire que les preuves physiques sont notre seule chance. Tu quittes cette voiture. Je vais te faire un récap de qui va être où et quand. Tiens, regarde. Tu devrais pouvoir voir la mosaïque normalement. Ok. Ah merde, non, ça continue ici. Bah limite. Ok. On dirait que je l'ai trouvé. Garde en armure. Ok pour la config. Je crois qu'on est bon. Tu vois quelque chose qui pourrait faire diversion pendant que tu te barres avec la caisse? Ouais, je devrais pouvoir trouver ça, ouais. Préparer une embuscade pour la voiture. Pour voler la voiture. What? D'accord. Ah oui, d'accord, c'est comme ça que ça va être. Ok, je viens de comprendre.
Ok. Ok. Pourquoi pas, hein? Ok. Bah... C'est parti. Les ennemis approchent. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pars-toi vite. Ils arrivent. Bonne chance, gamin. Ok. Et boum. T'es sérieux là? Ah bon, bon, écoutez, pas me faire chier. Et voilà. Allez! Et rentre dans la bagnole! Ah, elle voulait pas rentrer par là-bas. Hein. Merde, je suis mauvais. Ok, c'est bon. Je vois pas où était l'intérêt. Hein. Oh putain. Je crois que j'ai été repéré. Mais c'est quoi qui m'attaque? Ok. Et là, d'où est-ce qu'il me voit? Parfait. Oula, elle a pris un coup dans le lait la bagnole, hein, je veux pas dire, mais... Vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas. Disparition, c'est bon. Ils ont lâché l'affaire, mais j'ai besoin d'un service. Faut encore que je m'occupe d'un truc ici. Quoi ? Moi un coin tranquille où je puisse la laisser. Ok, je ramènerai le monstre à la maison. T'as qu'à la laisser près du pont qui retourne à San Francisco. Je passe la chercher dès que je peux. Merci, mec. Ah ! C'était là. Hop, je me suis dit le pont, ça va être celui-là, mais non. Ok. Bah oui, je vais la garer juste là, bien sûr. Ok. Bon bah voilà, salut. C'est quoi ce garage? C'est même pas un, c'est une place de parking, limite. Tu as garé, tu peux venir la récupérer. Bien reçu, au capitaine, mon capitaine. Oh, mon côté, belle réplique. Quittez la zone, quittez la zone. Mission accomplie, Marcus, t'es vraiment le meilleur. Ok, c'est bon. Oui, c'était moi, j'ai un rêve de... Là-bas, c'était moi, j'ai un rêve, bref. De Tanglade, je sais comment ça s'appelle en... Madame la conseillère. Oui, bonjour. À quoi dois-je le plaisir de votre appel? Il faut qu'on parle, sans témoin. D'accord. Retrouvez-moi sur la berge, au sud de mon bureau. Okay. Ah bah oui.
Rencontrer Miranda. Miranda l'homme. J'ai rien contre elle, mais... Juste qu'il y a des fois où ça me fait un peu bizarre. Soyons honnêtes, hein. Ça fait bizarre à tout le monde. Hein. C'est pas contre ses principes, on va dire. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment des principes, en fait. Rencontrer Miranda, c'est là. Ok. Mais bon, c'est juste que c'est normal que ça fasse bizarre à des gens. Hein. Même moi, vous voyez, par exemple, j'ai eu un professeur qui avait qui a fait ce choix, on va dire. Qui avait accepté cette opportunité, enfin cette part d'elle-même. Et bon, bah voilà quoi, ça change sa vie, ça a changé plein de choses. On en a discuté même plusieurs fois, hein, parce que bon, contrairement à ce qu'on pense, ça ne fait pas que changer les fringues, si je puis dire. Oh putain, et vous voyez, l'angle de braquage de cette bagnole, elle a jamais pu venir se garer là, en vrai. Hop, allons-y, putain, elle... À plus lourd, tu meurs, hein. Allez. Oh, dis donc, c'est lent, hein. C'est lent comme bagnole, hein, dis donc. Dis donc. Hé, hey, tourne. Dégage. Ah. Parking public, 18 centimes. 18 dollars ou 18 centimes? 18 centimes. 18 dollars le parking, putain. Ça me ferait mal. Hop, voilà, on se gare bien. Hop. Ils auraient dû faire comme dans GTA, ajouter les vélos, ajouter les machins, ajouter les trucs. Ça aurait été carrément stylé. Mais bon, c'est malheureusement très très loin d'un GTA. Par contre... Musicien masqué, what the fuck? Ah oui, là. D'accord. Ça va plus, hein. Un autre truc que j'avais pas, non c'est bon, ok. Il y a un vendeur de fringues par là-bas, mais j'imagine que c'est un stand. Ok, on va aller voir directement la mission, chers amis, on va pas s'embêter. Ouais, un autre jeu avec un open world qui a l'air sympa, par contre ça va être Wildlands. Tom Clancy, Ghost Recon, Wildlands. Ça peut être intéressant selon moi. Je vais commencer à me renseigner dessus. J'ai hâte d'y toucher. Là je suis en train de relire les œuvres de Lovecraft. Pouvoir être à jour quand il y aura Call of Cthulhu. La police. La dernière fois que la corruption était aussi élevée, les fédéraux ont dû les surveiller. C'est quoi les putains de Riders 2.0? Je croyais que ça devait arranger les choses. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Les flics tirent sur les suspects. Trafiquent les preuves, volent, mentent et abusent du système exactement comme avant. Sauf que maintenant, ils ont le CTOS comme alibi. Ah, la gueule. Discrétionnaire. Écoutez, apportez-moi des... Putain, je suis à fond. La police est en train de changer, Marcus, croyez-moi. Pour moi et mes amis, la communauté passe avant tout. Tu parles. Les changements prennent du temps. Bien sûr, le département a toujours des problèmes. Mais il a aussi ses réformateurs. C'est qui que vous protégez, Miranda? La communauté ou la police? Marcus, vous ne pouvez quand même pas être si naïf. Naïf? Pas vous. Les services de police et la communauté qu'ils protègent ne sont plus si distincts. Politique. Commencez par arrêter ceux qui utilisent la technologie comme un masque. Moi. Parce que vous et d'être sec, d'être sûrement pas les seuls. Les avalanches ne commencent jamais au pied des montagnes. C'est débile. Ça pourrait devenir gênant pour vos amis de la police. Mon cher, s'ils se sentent seulement gênés et pas totalement outrés, ils ne sont plus. Bim, ça c'est fait. Oh, j'ai vu du rouge là-bas. Ah. C'est le chef de la police d'Oakland qui est derrière tout ce merdier. Dis-moi que t'as trouvé un moyen de le coincer. Il va bientôt y avoir une vente de drogue dans une raffinerie du nord de la ville et un genre d'échange de véhicules au niveau des docks, au sud-ouest. Si tu perturbes leurs opérations, il y a des chances que notre homme de loi sorte de sa planque pour régler le problème. Exactement. On va commencer par la raffinerie. Du trafic de drogue, ça devrait écorner un peu l'image d'une police revisitée et irréprochable. Hop, et de deux. Et le trois. Ça va les filles?
Alors, pourquoi est-ce que tout ça, c'est... mis à l'abri, si je puis dire. Parce que c'est des bateaux. Ah, c'était dommage, ça partait bien comme plongeon. D'accord, ok, bon, bah... J'attendais à mieux comme truc à cet endroit-là, mais bon, c'est pas grave. Allez, nage, Marcus. Bon, je suis content, on n'a pas eu trop de lag pendant les cinématiques, donc s'il y a eu une mise à jour. Cependant, j'ai envie d'aller voir quelque chose dans les options du jeu, chers amis. Les options de jeu, elles sont par là. Paramètres, je veux voir s'ils ont rajouté... Ça se trouve, ils ont rajouté en fait un truc de son des voix. Non, son de la musique. Toujours pas. Toujours pas de son de voix augmenté. C'est débile. Ok, bon bah écoutez, chers amis, je suis désolé. Je ne peux rien faire malheureusement pour ça. C'est dommage quand même. Hein. Limite, là, les voix d'ambiance sont plus fortes que les voix des cinématiques. Désolé. J'y peux rien, là. On en est où dans l'épisode, chers amis? On en est où? On a 26 minutes. Eh bien, écoutez, c'est là que nous allons nous laisser, je pense. Je pensais bien qu'on était à peu près par là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et un grand merci encore une fois à monsieur Hélène pour le jeu. C'est sympa, lui. Salut!